Salut! Aujourd'hui, je vous présente Pirate Under Fire. Un jeu facile à mettre en place, facile à prendre en main, et puis avec énormément de subtilité. Allez, c'est parti! Allez, aujourd'hui, on regarde donc Pirate Under Fire de Stefania Nicolini et de Marco Canetta. C'est un jeu de chez Explorate. On est sur 2 joueurs, 10 ans et plus, et sur des parties de 30 minutes. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à prendre en main, c'est dynamique, distrayant, et c'est hyper facile à mettre en place. Et vous savez que moi, ces jeux-là, j'aime de plus en plus. Donc dans Pirate Under Fire, on va retrouver un livret de règles, des plateaux de jeu modulables, tout plein de pions, des bateaux pirates qui pourront aller dans les deux camps, des cartes pour l'équipe bleu marine, des cartes pour l'équipe bleu ciel, et deux cartes qui vous permettent de compter les points en fin de partie et de vous exposer les conditions pour les capitaliser. Alors la mise en place est plutôt simple. Déjà, chaque faction va choisir une couleur, soit le bleu foncé, soit le bleu ciel. Moi, j'aime bien le bleu ciel. Et vous allez constituer votre plateau de façon aléatoire. Il faut savoir que les plateaux sont recto-verso, que vous en avez deux carrés et un rectangulaire, que là, par exemple, j'ai mis au milieu, mais que je peux très bien, comme ici, mettre sur le côté pour créer de la diversité. Vous le faites au hasard. Ensuite, vous allez positionner l'intégralité de vos jetons. On reviendra tout à l'heure sur en fait à quoi correspondent ceux-ci. Vous allez constituer une réserve et une pioche. Dans votre réserve, vous allez mettre 9 tuiles et toutes les autres tuiles vont dans votre pioche. Vous allez ensuite constituer ici une réserve de bateaux pirates. Vous en mettez 5. Il en faut 3 qui ont un coût de 3. Un qui a un coût de 4 et un qui a un coût de 5. Je vous rappelle que le coût, ce sont les petites pièces en or qui sont ici. On verra qu'on peut les acquérir pendant la partie. Au début de la partie, je vais piocher 3 tuiles. Et à mon tour, j'ai le droit de positionner un bateau sur le plateau. Quelles sont les restrictions pour positionner en fait ce premier bateau ? Au premier tour et pendant toute la partie, j'ai le droit de poser sur l'intégralité de la première ligne, c'est-à-dire que je pose où je veux sur cette première ligne. Si je veux pouvoir poser un bateau sur la seconde ligne et sur la troisième ligne, voire dans le camp d'en face, il faudra que ce bateau soit adjacent à une carte que j'ai déjà positionnée. Je prends un exemple, si je pose un bateau ici, au deuxième tour, je n'aurai donc pas le droit de poser un bateau ici, ou ici. Par contre, ce que j'aurai le droit de faire, c'est de le poser adjacent au premier bateau, à savoir ici, ici, ou là. D'accord ? Lorsque je positionne un bateau, je vais à la fois bénéficier de l'icône qui est sur le plateau et également de l'icône qui est présent sur le bateau. Je vais donc bien choisir ma première pose. Et je vais décider de poser ce premier bateau sur cette étoile. En le faisant, je vais capitaliser grâce au plateau et à l'étoile un pion de victoire. Donc je vais chercher un pion qui a une valeur de 1. Je capitalise un pion de victoire grâce au plateau. Et comme j'ai un galion juste ici, je vais capitaliser une pièce d'or pour la partie. Chaque joueur va ainsi positionner ses bateaux sur la carte avec les restrictions que j'ai énoncées et va à la fois capitaliser des pions de victoire et de l'argent. Si je positionne un bateau sur les croix avec les cibles, cela va me permettre de tirer sur un bateau qui serait dans l'alignement. Mon adversaire a positionné un bateau ici, c'est à moi de jouer, je décide de poser un bateau ici. Et comme j'avais en fait une flèche qui part directement en orthogonale, je vais pouvoir détruire ce bateau qui sera donc du coup retourné et mis en position feu. Si je positionne un bateau sur un icône de réparation,
eh bien j'aurai la possibilité de réparer et donc de passer de l'icône feu à l'icône normale un de mes bateaux, où que ce soit sur le plateau. Si je positionne un bateau sur la mine, j'aurai la possibilité de tirer une mine ici et d'aller la positionner où je veux sur le plateau. Alors que je pourrais décider de venir la poser là, rendant ainsi inactif l'action qui est sur le plateau, à savoir le tir. Si mon adversaire décide de poser un bateau sur la mine, il n'explose pas. Par contre, il récupérera l'icône en question de la mine qui lui vaudra moins 2 points de victoire à la fin de la partie. Enfin, si je positionne un icône sur une carte plus, je matérialise cela avec un pion que j'additionne une carte de plus et je viendrai la chercher dans ma réserve qui est ici. Je prendrai une carte de plus dans ma main et du coup, je jouerai jusqu'à la fin de la partie avec 4 cartes au lieu de 3. Bien entendu, plus j'occupe de cartes plus, plus j'ajoute des cartes dans ma main avec la possibilité d'atteindre une valeur de 3+. Avec l'argent que je vais capitaliser, je vais avoir la possibilité d'acheter des bateaux pirates. Ces bateaux pirates, lorsque je les acquiers, je dois payer leur coût, ici 3 galions, pour pouvoir l'acquérir dans mon jeu. Et dès que j'ai acquis cette carte, je la positionne dans le jeu en respectant les règles de positionnement orthogonaux. Vous l'avez vu, j'ai tiré une carte bleu marine, mais il suffit pour moi de la retourner pour qu'elle passe à bleu ciel. Celle-ci va m'apporter immédiatement des valeurs que je vais appliquer. Ici, par exemple, ça va me permettre d'aller choisir le bateau dans la réserve et non plus de le tirer au hasard et bien entendu de me rajouter plus 1. Mais si je regarde ici, ça va m'apporter un pion de victoire et puis ensuite un icône bouclier. Ça va m'apporter également un pion de victoire et une condition de 2 points. Celui-ci m'apporte la capacité de tirer 2 fois sur les côtés et celui-ci m'apporte la capacité de tirer 2 fois en diagonale. J'ai la possibilité donc de poser des bateaux à chaque tour de façon octogonale par rapport aux autres, comme ici, puis venir ensuite ici. Et bien entendu, j'aurai du coup le droit de déborder sur le terrain du bateau d'en face. Si on me tire dessus, le bateau prend feu. Si je veux, soit j'utilise une case de réparation en posant un bateau ici, et je répare ce bateau. Soit je peux décider, si je ne veux pas utiliser de zone ou je ne peux pas utiliser de zone de réparation, je peux décider de recouvrir mon propre bateau. J'ai également la possibilité, si je le désire, de recouvrir un bateau ennemi qui est en feu. Celui-ci ne pourra donc plus être réparé et sera définitivement perdu pour mon adversaire. Au niveau des tuiles des bateaux, soit j'ai un galion et donc je gagne de l'argent, soit j'ai un petit bouclier et ça va me permettre en fait d'ajouter un bouclier sur un bateau. Lorsque celui-ci se fera tirer dessus, il ne prendra pas feu immédiatement, mais on retirera d'abord le jeton bouclier avant qu'il subisse une deuxième touche pour être enfin détruit. Soit sur mon bateau, j'ai également un icône de réparation, soit j'y retrouve un icône de mine, ce qui va me permettre en fait de déminer une case. Je pourrais poser ce bateau sur une case où il y a une mine et ne pas subir les effets moins 2 de celle-ci. Soit j'aurai la possibilité de tirer, on retrouve sensiblement en fait les mêmes capacités que sur le plateau. Soit enfin j'aurai la possibilité avec ce x2 d'appliquer 2 fois l'effet du plateau sur lequel je pose la carte. En l'occurrence, si je pose ce bateau, j'obtiendrai 2 points de victoire au lieu d'un. Donc au niveau du scoring, j'ai la possibilité d'avoir des points si j'aligne 3 à 4 bateaux avec exactement la même valeur. Par exemple, si j'avais pris en fait cette carte qui vaut 2 et celle-ci qui vaut 2 ici, j'avais 3 bateaux qui ont la valeur 2 qui sont adjacents et donc qui vont du coup
scorer. Au moins 3 tuiles de valeurs consécutives qui se suivent dans l'ordre croissant ou décroissant, hein, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors sinon, plutôt que de mettre les mêmes chiffres les uns à côté des autres, bah, il suffit de faire des suites. Hein. Par exemple, dans cette configuration-là, 1, 2, 3, 4, là, j'ai une suite, et donc je marque des points. Partant du principe que si je fais 1, 2, 3, je vais marquer 2 points. Si je passe à 4, je vais marquer 3 points. Si je passe à 5, je vais marquer 5 points. 6, je vais marquer 7 points. Et si j'arrive à aligner jusqu'à 7, je vais marquer 9 points. Les points des bateaux mercenaires. Certains bateaux mercenaires ont un effet qui apporte des points de victoire. Donc il va falloir également les comptabiliser. Chaque bateau actif présent dans l'aire de jeu adverse va également me rapporter des points de victoire. Et puis, bah, bien entendu, les points de victoire que j'aurai capitalisés pendant la partie seront à additionner au résultat final. Voilà, qu'est-ce qu'on en dit de ce Pirate Underfire? Bah déjà, vous le savez, moi j'apprécie de plus en plus en fait ces jeux qui sont faciles à mettre en place, faciles à ranger aussi, qui sont plutôt dynamiques, les échanges se font vite, les parties sont courtes, une demi-heure. C'est à partir de 10 ans, et je pense qu'à partir de 8 ans, on peut découvrir le jeu. Donc, bah, moi, je suis intéressé parce que un jour, ma fille va grandir. Et puis, je trouve que ces jeux-là, en fait, c'est des portes ouvertes pour les casuals, hein, les gens qui ne jouent pas particulièrement au jeu ou qui peuvent être un petit peu réticents à jouer au jeu. Alors, c'est vrai que pour eux, le top, hein, c'est d'utiliser un jeu coop, parce que comme ça, souvent, les gens, ils ont peur de perdre. Mais quand vous avez réussi à dire à une personne, « Allez, perdre, c'est pas grave, viens jouer, on va se foutre sur la gueule », bah, Pirate Underfire, c'est une bonne introduction, comme ça, au jeu de stratégie. Attention, le jeu a l'air simple, mais en fait, ce qui se passe quand on joue, c'est que au début, on se borne à poser des bateaux sur le plateau et à essayer d'acquérir, en fait, des bonus, soit les bonus des bateaux, soit les bonus qui sont sur le plateau. Alors, on est souvent dans la boule comme ça, hein, d'essayer de récupérer des pions de victoire, de l'or pour avoir des pirates. Mais on oublie parfois de bien faire ses lignes et puis de bien faire soit ses séries, soit ses multiples du même numéro. Et c'est là toute la subtilité. Du coup, il y a deux paliers de maîtrise du jeu. Le premier niveau où vous allez tout simplement jouer en posant comme ça des pièces pour répondre à vos besoins, en essayant de couler un maximum de bateaux en face aussi, même si c'est quand même assez difficile. Et puis enfin, le deuxième palier, vous êtes capable à la fois de faire tout ça, mais en même temps d'agréger vos cartes pour pouvoir faire soit des séries, soit des multiples. Donc, pas un jeu aussi simple que ça, en tout cas, un jeu avec beaucoup plus de subtilité qu'il n'y paraît. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, je vous souhaite de bons jeux et puis pas de bons jets puisque c'est un jeu sans dés et ça fait du bien de temps en temps. Mais il y aura de toute façon toujours ce qu'il faut pour poutrer le type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao.